Oh oh oh, c'est le Papa Noël Ijevote. Profite d'une réduction exceptionnelle de 38% de réduction sur tes crédits. Et n'oublie pas le code AXOSKILL pour un bonus. Oh oh oh. T'en as marre de faire du 6-24 en fut de champion? Contrôlez le receveur! Alors check Level Up, les boissons énergisantes des gamers qui vont te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez-moi, ça va très très bien les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour un gros pack opening Freeze. Et oui, la nouvelle promo qui Espoir nous a balancé. Bon, je pense que cette promo va remplacer Futmas, voilà, hein. C'est juste un changement de nom et de design pour faire neuf. Et du coup, on va regarder les cartes, voilà, elles sont plutôt pas mal. C'est des cartes un petit peu changées de poste, voilà, on retrouve un Casemiro en DC, on retrouve un Golovin en défenseur droit, un Verratti en nagé avec vraiment des stats sensationnels. Enfin bref, voilà, c'est what the fuck, mais les cartes sont plutôt sympas. On va du coup ouvrir beaucoup, beaucoup de packs. Et avant que ça commence, je tiens à remercier Loot Boy qui du coup sponsorise cette vidéo. Voilà, c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce gros pack opening. Du coup, je vous laisse avec la vidéo et la petite intégration. Bon visionnage et on se retrouve tout à l'heure pour l'outro. Allez les gars, on est parti, on va s'ouvrir 10 packs, vous connaissez. Et pour ce week-end, on a de beaux cadeaux. On peut gagner un maillot dédicacé d'Alexander Arnold, mais surtout une PS5 et une Xbox Series X, les gars. Donc ça se passe ici, voilà, le week-end pack de loot. Voilà, vous avez du coup une PS5 et une Xbox Series X à gagner. Et bien sûr, parmi dans ce pack, tu peux gagner évidemment autre chose. Tu peux gagner des cartes Amazon, des jeux PC, hein. N'oubliez pas, les gars, que à chaque pack, c'est remboursé, hein. Vous gagnez à chaque fois des cadeaux. Et en ce moment, les gars, vous pouvez également rentrer un code, voilà, pour bénéficier de 5 diamants et de 2000 pièces. Le code, c'est LootBoyDecember. N'hésite pas à le rentrer pour avoir un petit bonus. Bref, nous, on a des packs à ouvrir, les gars. Allez, j'espère qu'on va avoir du lourd. Voilà, des petits packs avec, qui sait, le maillot de Alexander Arnold. Ou pourquoi pas éventuellement une PS5 ou une Xbox, hein, soyons rêveurs. Allez, premier pack. Qu'est-ce qu'on a? On a du Sonic en jeu PC. On a des... Ouais, 3 jeux PC, il me semble. Allez, enchaînons. Ok, c'est tombé, les gars. 500 points FIFA. Allez, peut-être dans celui-là autre chose. Oui, oh là là, on a 2200 points, les gars. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant. On avait eu 1000 points, 500 points. Et là, on tape du 2200 points. Soit 20 euros. Allez, peut-être là-dedans encore. Non, dommage, dommage, dommage. Allez, ouvrons celui-là. Qu'est-ce qu'on a? On a un jeu mobile. On peut avoir des jeux mobiles également. Et puis encore quelques jeux PC. Bon, bah écoutez, plutôt fructueuse cette ouverture de pack. Voilà, n'hésitez pas à cliquer dans la description, à télécharger l'application pour tenter votre chance. Et n'oublie pas de rentrer le code LootBoyDecember pour avoir un bonus. Waouh, ils ont même mis des packs à 125 000, ces chacals. Incroyable. Je sais pas lesquels ouvrir, les gars. Allez, premier. Aïe, 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 pas d'anime, dommage. On va avoir quoi? Une petite carte régulière. Allez, du 85, portugais. MC. Ah, oh, c'est éclaté, c'est João Moutinho. 84. Non, même pas, 83. Vas-y. Allez, pourquoi pas dans ce deuxième pack? Ah, c'est pas animé encore, merde. Putain, ça rend fou. Ça rend fou. Espagne, MC. Oh là là, c'est éclaté. C'est Parejo, 85. Ouais, bon, ça va mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Allez, derrière. Oh là là, Gomez, ok. On espère toujours Gomez ou Mendy, hein. Quand il tombe, ça fait plaisir. Bah, c'est propre, c'est propre. On va commencer à s'agacer. Oh là 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 là, non, c'est pas bon. Non, 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 eSport, non, non, tu ne peux pas. Allez, Dédé, bois le cœur. Oui, let's go, les gars. Bon, en vrai, on s'en sort pas mal parce qu'on a eu Gomez juste avant, qui était niché dans le pack, et là, Walker, qui coûte toujours aussi cher, enfin, qui a baissé, certes, mais qui coûte quand même une petite somme. Combien il vaut, Walker? Bon, ok, c'est bien. En vrai, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, il n'y a rien à dire quand c'est comme ça. On prend. Ah, c'est peut-être un... Aïe, 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 dommage. Pas de Freeze Corleone, anglais, buteur. Ah, c'est Kane. Bon, c'est une bonne note. En vrai, c'est bien, 88. Ça peut cacher, éventuellement, peut-être une carte Freeze, hein, je pense pas, parce qu'elle se sera affichée en premier. Qu'est-ce que ça va cacher? Oh, oh, il est bien, il est bien. On a un petit boost, on a un petit Sancho. Et on a du coup en doublon le petit Hurricane. Et oui, il est en doublon parce que je l'ai en invendable. Et on a encore Joe Gomez, les gars. Quel bon pack. Alors là, celui-là, il est mignon, les gars. On a eu 4 joueurs qui se vendent. Let's go, les gars. Ah oui. Oh, c'est un truc spécial, mais c'est du... Ah, c'est du CL français. DC. Ah, oh, c'est... Oh, t'es sérieux? Ah, oh, ça va, mais c'est pas ouf. Je m'attendais à Varane ou Laporte.
Mais c'est même pas une anime en fait, c'est une fausse anime l'anglais. Ouais, t'as fait un bon match toi l'autre fois. Hein. Putain. Alors je sais plus ce que ça vaut l'anglais, ça a dû baisser. Hein. On a Haaland derrière, bon c'est plus ce que c'était. On a Gabriel Jésus, je crois, il me semble. Ouais, ouais, il est là, Gabriel Jésus, pas mal, ok. Et en doublon, bon, on n'a pas grand-chose, mais c'est pas mal encore, ça va. On a un Militao aussi. Oui. Ah, c'est du régular. Malheureusement, on va avoir un drapeau portugais buteur. Bande de fumier. Mais bon, ça reste une belle carte. Certes, il était au TGS, bon ça, on va tout de suite oublier parce qu'on va avoir des regrets. Mais c'est une belle carte, Bruno. Il vaut cher en plus, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, on a un boost. Collard. Bruno Fernandes. Oui! Ah, pas de freeze. Polonais, buteur. Oui, Lewandowski. Allez, on prend. Ça pouvait être Szczęsny. Et pour une fois, ce n'est pas Szczęsny, non, c'est Lewandowski. On a des gros joueurs, les gars. En vrai, on a des gros joueurs. Voilà, après, c'est pas non plus l'apothéose. C'est pas un truc à 500K. Mais sur ces packs qu'on a ouverts, je trouve que ça va. Tu vois, genre, on s'est pas fait non plus douiller, tu vois, comme ça peut souvent arriver. Allez. Ah là 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 là, ça peut pas les freeze. Hein. On a des gros régulars à chaque fois. Anglais, buteur, Rashford. Non, c'est Kane encore. Doublon Kane, les gars. 88. Mais ouais, mais putain, il n'y a pas de freeze là. Ça rend ouf, putain. Et sérieux, elles ont l'air d'être chaudes à choper. Hein. J'ai l'impression que les cartes hors event sportif, hein, quand je parle de sportif, oui, c'est tout ce qui est genre les TOTGS, les UCL Live, elles sont plus dures à paquer. Les priseurs de record, j'en ai pas eu. Les freeze Corleone, j'en ai pas. Putain, ça rend ouf. Allez. Ok, David Silva derrière, ok, c'est pas mal, hein, double anime hein, dans le pack. Oh, Mendy, là le pack est joli, hein, clairement, on a eu du très très bon contenu dans ce pack, regardez-moi ça, Mendy et Kane, propre, boost, ouais, ça a l'air d'être du boost, français, buteur, c'est Ajorc, ouais, c'est Ajorc, le Strasbourgeois, qu'on a déjà eu, hein, mais bon, c'est un petit boostouné, voilà, on prend hein, toujours ça de prix. Oh, regardez-moi ça, on a une chatte, c'est incroyable, sur les doublons. C'est incroyable, et on a de la chatte, on va récupérer masse de crédit. Hein. C'est assez insane quand même, parce qu'en vrai, à chaque fois, il y a un truc dans les packs. Et au final, regardez, là, on récupère du 60K plus le boost, et en vendant le reste en vente rapide, ben, c'est du, ouais, c'est quasiment du 100K, quoi. Le pack est remboursé. Du coup, c'est plutôt propre, on aime ça. Oh, c'en est un, ah, c'est certain. Ah oui, on a vu le fond. Allez, c'est bien, ça va être Golovin, je crois. On en aura eu un, bon. Ah, ça a mis un peu le temps, hein, mais regardez-moi ça. Les cartes sont magnifiques, hein, honnêtement, elles sont belles, mais bon, on connaît, hein, il y a la magie de la beauté, de l'esthétisme. Voilà, l'objectif, c'était d'en avoir une. Et en vrai, Golovin, il peut être très sympa. Mais ce que je trouve dommage avec Golovin, c'est qu'il est mis défenseur droit, alors qu'on a Atal, par exemple. Et c'est vrai que Golovin, par contre, il est sympa parce que tu peux le mettre avec le Cesc Fabregas en version record breaker, et c'est vrai que ça fait un lien, et en vrai, il est sympa, il a 4 étoiles en plus, je crois, Golovin, mais c'est bien, au moins on en aurait eu une, voilà, un fut givré. Mais bon, voilà, on l'aura eu, combien il vaut? Bon, il n'a pas coûté de ouf, il vaut 50K, en vrai, il se teste, hein. Franchement, il peut se tester, Golovin. Hein. Double 4, agile, rapide, bon en défense, physiquement pas mal, il manque un peu de force, mais il est très agressif. Non, en vrai, ça peut se tenter, il est en élevé. Oh! Non, ce n'est pas un back-to-back givré, dommage. Ça va être anglais encore, âgé. On va avoir Sterling. Eh oui, le petit Sterling qui était TOTGS lui aussi. Mais bon, on a eu plein d'animes. Hein. Vraiment, c'est pas mal. Franchement, pour dire qu'on en a ouvert quand même un peu. Non, franchement, ça va. En vrai, on n'a pas à se plaindre. On a eu des choses, hein, vraiment. Allez, ça sera le dernier, les gars. Pas d'animation. Mais bon, voilà, contrat rempli. On va se terminer avec un boost. Bah écoutez, on a eu des choses. Franchement, on va se terminer avec... je sais même pas qui c'est. C'est un boost, ok. C'est un boost anecdotique. On s'en fout un peu. Mais bon, voilà. Comme je disais, voilà, on a eu des choses. On a eu un fut givré. On a eu quand même pas mal d'animations, des grosses animes. Et des joueurs qui se vendent. Surtout, je pense notamment à deux fois Gomez, à Walker qu'on a eu. Non, franchement, ça va. Ils nous ont même donné Mendy et Werner, hein, que j'allais oublier. On va se faire vraiment la blinde de crédit. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, on rembourse. Au final, c'est cool. Bon, bah écoutez, fin de la vidéo. Bah voilà, ça a payé vraiment. On a eu de bons packs à chaque fois, en fait. Il y avait un truc dans le pack, tu vois. Genre, c'était cool, vraiment. Bon, on n'a pas eu non plus des joueurs à 1 million, tu vois. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils se nichaient un doublon, une petite carte qui se vendait. Du coup, franchement, quand c'est comme ça, il n'y a vraiment rien à dire. Du coup, je suis plutôt satisfait. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, on fera bientôt une vidéo sur les swaps aussi. Oui, j'en ai pas parlé du tout. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en parle, voilà, si vous voulez des conseils et tout, ce qu'il faut choisir en joueur, en pack, etc. Il y a des combos également, vous me dites hein, tout simplement dans les commentaires. Et puis voilà, allez sur ce, je vous laisse les gars. Il y aura une vidéo normalement ce soir. Soyez présents, hein, 2 vidéos aujourd'hui. Et puis voilà, allez bref, je vous laisse. Bon samedi à vous, bon week-end et à tout à l'heure. Ciao les gars.